Vous avez 2 minutes pour gagner au quintet plus. Bonjour amis turfistes, je vous propose un bilan de la course de dimanche dernier avec une analyse des résultats comparée à mon pronostic et à celui de mes pronostiqueurs préférés. Ce dimanche 26 mai, nous étions à Longchamp pour le prix de la ville de Paris, une course de plat de 1600 mètres. Revenons tout d'abord sur mes paris du jour avec mes deux quintets plus. Le grand favori, le 6, n'a pas vraiment brillé, fini 6e. Ce n'est pas mieux pour mon pari risque. Au final, pas de gain, mais je suis content d'avoir placé le 12 True Value en base dans mes deux paris. Revenons maintenant sur mon pronostic. 4 chevaux de mon pronostic sont dans les 8 premiers, c'est correct, sans plus. Le 11, Parisia, supplémenté pour l'occasion, est venu voler la 5e place. Pour mon bilan de la course, j'ai retenu le 6 et le 1. Le favori, le 6, Hamlet Knight, a été gêné au moment de lancer le sprint final. Le 3, Amorcita, fait partie des responsables. En plus, il a lâché la course ensuite. Sans cela, le 6 serait à minima 4e. Le 1, Clavius, a fait une course remarquable. C'est à noter. Depuis quelques semaines, j'ai mis au point une analyse chiffrée de mes résultats que je me permets de comparer avec 6 pronostiqueurs accomplis que vous pouvez rechercher grâce aux initiales utilisées. Cette semaine, c'est mon pronostic qui fait le meilleur résultat. Un bon point tout de même à Fla qui a proposé le 11 dans les 5 premiers. Après cette dernière course, voici le classement des pronostiqueurs. Pour le moment, FLA est toujours en tête devant mes propres pronostics. Mais je me rapproche et je suis en tête pour l'ensemble des courses de plat. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à découvrir mes livres en vente sur Amazon et sur mon blog trop de chance.com. Tous les liens sont en description sous la vidéo.